encore actuellement sur cette journée de Paris Games Week. Vous êtes très très nombreux, on vous en remercie d'être présents ici dans les allées. Merci à tous en tout cas d'être là pour pouvoir partager votre passion du jeu vidéo avec Nintendo. Quant à moi, eh bien Corentin, je vais de nouveau reconfigurer la scène pour pouvoir accueillir, je crois, une nouvelle partie de Splatoon. Exactement, Olivier, et les joueurs sont juste à côté de moi. Ça va continuer ici à la Paris Games Week. On peut, s'il vous plaît, les applaudir. On accueille les Earth Brothers. On les applaudit, s'il vous plaît. Là, ils sont tout mignons, ils ont un petit peu d'impression, mais comme je lui ai dit, tout va bien se passer, on est là pour s'amuser et rigoler. Allez, on peut accueillir l'équipe de Johan, s'il vous plaît. On applaudit, on les encourage. Allez, je suis sûr que vous êtes pas empotés dans le fond. Bon, la Paris Games Week, ça va ou pas? Oh là 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 là, je vous ai connu meilleur quand même, hein. Mais je suis sûr que c'est parce que vous êtes timide, vous faites exprès. Vous savez que j'aime bien quand il y a du monde, il y a du bruit, donc vous faites exprès. Tout ça pour que je sois là avec vous, en fait, c'est ça ou pas? Je suis pas vraiment sûr. Vous êtes en forme de ce côté-là? Ah, c'est bien ce que je me disais. Et là, là, par là, là, vous êtes en forme? Vous êtes sûr d'être en forme? Et de ce côté-là, vous avez la pêche? Ah, c'est de ce côté-là que ça marchait pas, en fait. Alors, de ce côté-là, ça va ou pas? Bah voilà! Merci beaucoup, en tout cas, à vous. On va continuer, c'est du Splatoon ici, sur la scène centrale. Allez, bonne surprise pour les joueurs, puisque je viens de changer à l'instant la carte. Et désormais, on est parti sur le centre commercial. Donc, Boywana ici à Acrobapolis, une zone de jeu beaucoup moins large que ce qu'on a pu voir du côté de la station de Brise, et qui a nous permis de voir une belle bataille, je pense, entre tous les participants. Et la bataille qui fait rage entre les roses et les roses qui sont tout de suite implantées dans le centre de la carte et qui ont même pris tout de suite les devants. On voit que les roses ont fait un choix, c'est d'aller le plus vite possible dans la zone adverse. Là où ils n'ont pas peint pour l'instant, en fait, leur zone. Tu vois qu'il y a plein de zones en bas qui n'ont pas été peintes. Et maintenant, ils s'en occupent. Alors que lorsqu'ils perdent, ils reviennent sur leur trace, donc forcément. Et ils viennent mettre des couleurs un petit peu partout. Et c'est assez intéressant de voir les stratégies qui étaient différentes de part et d'autre. Ah, mais à mon avis, les roses, ce qu'ils cherchent, c'est à les bloquer, à faire du respawn kill. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, les roses sont assez étouffants. C'est le gingembre, pour l'instant, qui l'emporte sur le wasabi. On va voir si ça va être la même chose tout au long. Et il y a une percée, là, en plus, du côté rose. Il y a un vert, là, qui a essayé de tendre un piège, mais... Les roses sont en train de faire très mal. À l'équipe adverse, ils sont en train de prendre vraiment le contrôle du centre commercial de part et d'autre, même si les verts essaient de sortir un petit peu, mais c'est pas évident quand même de pouvoir y arriver. Là on voit la jeune équipe qui a un peu plus de mal. À noter quand même, s'il vous plaît, 277 points, 360 points, 480 points, et le petit bonhomme qui est là, il a presque 600 points. Pour l'instant, le meilleur joueur de la team, quand même, il est là, c'est le tout jeune joueur qui est là. Il est en train de faire une grosse performance parce que franchement, 600 points, c'est-à-dire que moi hier j'ai fait 500 points quand même. Et lui il continue tranquille, 613 points, franchement le joueur numéro 8 qui joue vraiment très très bien. C'est les grands là qui l'aident pas là, voilà, ils sont trop vieux. Dommage, il vient de se faire liquider. 732 points juste pour ça. Attendez, est-ce que 732 points, ça veut donc dire quand même qu'il est quand même pour l'instant
meilleur que deux autres joueurs qui sont dans l'équipe qui l'emportent. Ils sont à 150 points, et ouais. Et c'est bien l'auteur, ouais. Et il va en liquider encore deux. Mais d'où viens-tu? Mais on a un vrai Inkling avec nous là. La gestion du... Oh là 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 là. Oh, le bonhomme ici, il joue, c'est fabuleux. Franchement, tu joues vraiment très très bien. Vraiment, félicitations. Ah, Karim, regarde. Karim, jeune joueur qui est là. Je sais pas quel âge tu as. Il a 5 ans. Il a fait 872 points. Et il a stoppé, il a liquidé 8 adversaires. C'est le meilleur de sa team. À 5 ans, on peut l'appeler, s'il vous plaît. Waouh. Johan est dans la place. Ah ouais, fabuleux. Et là, ça n'aura pas suffi. Johan, si j'ai un secret à te dire, réinscris-toi, mais change de coéquipier. Félicitations, en tout cas. Je vais juste récupérer le gamepad, bonhomme. Super. Franchement, vraiment, félicitations. T'es vraiment un super grand joueur, ou en tout cas un futur très grand joueur. Je suis bluffé. Hier, moi, j'ai joué. J'étais dans l'équipe qui a gagné et j'ai mis 800 points, sachant qu'on prend 300 points de bonus. Bon, voilà. Donc, j'étais à 500. Il y a qui place discrètement, j'étais dans l'équipe qui a gagné. Mais c'est pas grâce à moi, j'ai le temps de le dire. C'était, c'est là, en plus pour le cas hier soir, c'était vraiment un travail d'équipe.